DJ Stéphane. Balamwange. Congo ya Lumumba, Congo. La fachi beton. Tangwe koki yo yo yo. Tangwango yango yo ye koki. Tolanda kango. Papa Stéphane, Balamwange. Oye ye. Merci beaucoup de nous suivre. Opération Kanga Rwanda. C'est une opération lancée au niveau à front par les Wazalendo. Tout feu, tout flamme que vous allez découvrir tout au long de cette émission. Trêve humanitaire proposée par les États-Unis d'Amérique, refoulée et boutée dehors par les Wazalendo et quelques militaires patriotes FARDC au bazar sur terrain à front. Merci beaucoup, Nakota Labisso, de partout. En République démocratique du Congo, tension sur tension, surtout plus du côté des Kirumba et Kanyabayonga. Et certains axes du côté du territoire des Lubero. Et nous allons exploiter toutes ces matières tout au long de cette émission. Alors, avec mon réalisateur Max Kabese qui nous réalise cet après-midi, nous allons prendre la première image pour vous annoncer quelques informations. Ayez vos apaisements. Ayez vos apaisements parce qu'aujourd'hui, Jésus encore à école Kolobamonokwasika. Borosepelana et l'obélipena patriotisme et notre style de vous informer comme d'habitude. Alors, nous sommes là. La première image avec Max KBC, nous allons lire. Alors, c'est bon. RDC, procès coup d'État. Je me suis rendu en République démocratique du Congo pour voir mon père. Je ne le savais pas qu'il est rebelle et assaillant pour venir déstabiliser la quiétude en République démocratique du Congo. Cela fait déjà 4 ans depuis 2011. Je ne connaissais pas le quotidien de mon père. Mais ce que je sais, il avait une ONG et il était engagé dans le mine. Marcel Malanga, le fils du défunt Christian Malanga devant la cour militaire de Kinshasa Gombe. La deuxième photo avec notre réalisateur Max KBC. Nous sommes là. Très bien. Tension République démocratique du Congo-Rwanda. Les États-Unis s'engagent à utiliser leurs outils diplomatiques et leurs influences pour promouvoir les dialogues et permettre le processus de Luanda de porter ses fruits en RDC. Alors, la troisième image, nous défilons toujours et nous progressons avec notre réalisateur Max KBC. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique proposent et obligent la République démocratique du Congo à une trêve humanitaire. Il s'agit en fait d'une trêve humanitaire qui concerne plus la République démocratique du Congo et le Rwanda, d'un cessez-le-feu temporaire de combat pendant une courte période. Il peut être mis en place pour permettre aux populations de quitter une zone de conflit, d'effectuer des préparations ou d'acheminer de l'aide humanitaire ou encore des produits alimentaires et certaines masses de la population qui se sont déplacées dans les cas de réfugiés et de regagner leur terrain comme d'habitude. Alors, tu as exploité Makambounion Sototu Koloba. Alors, États-Unis d'Amérique, après une complicité avec les nations européennes, Bayokanike, il faut obliger à la République démocratique du Congo une trêve humanitaire. Donc, cela veut dire cesser les faits dans la ligne de front. Toti Kana Nouba Rwande, au Bazali ko occupé Bunagana, Bazali ko occupé Kirumba, Bali ko occupé Kanyabayonga, ba vandana na bisika o bazali ko occupé biso ba Wazalendo, biso ba Farde seto Kitsaminduki. Au nom de la communauté internationale, photo ke na trêve o bango moko déjà ba calé yango il y a 2 semaines. Après 2 semaines, nous allons rentrer au niveau de Luanda où nous allons appliquer les dernières conclusions de Luanda o emeta ki sur la table Kagame Tshisekedi. Il y avait certains émissaires du Rwanda Bayaki et Paul Kagame aussi était là. Le président Fachi était là. Fachi à son tour et Kagame aussi à son tour. Togolobela Yangoma. Ici, on nous signale par un Wazalendo, Innocent Mouinga,
qui est au niveau à front, il nous dit les Oazalènes de Hamas et aussi au niveau de la hiérarchie va fouler au pied cette proposition États-Unis d'Amérique, il y a trêve humanitaire. Les Oazalènes vont toujours accélérer et on nous annonce ici il y a tout feu tout flamme, tension de haute dimension au niveau ya Kirumba et au niveau à Kanyabayonga. Vous allez suivre certaines images que nous allons aussi analyser, révélation, enquête, tout au long de cette émission. Moi, on m'appelle Jésus Ankolé. Jésus Ankolé sur Tango RDC, votre chaîne de télévision des révélations, des enquêtes et aussi de la méritocratie, du patriotisme. Oui, Sarabino Makambamboka, les phares d'essai. Les, au pluriel, les phares d'essai. Les, Oazalendo, un, Muzelendo, au singulier. Les Oazalendo, au pluriel. Les phares d'essai. Au pluriel aussi. Merci Nabande Koba Kota la Bisona Goma. Marabubu Lambote. Mbote, Jésus en colé. Mbote, nous avons toujours chapeau pour le respect. Nous avons un rabiso. Nous avons un mbote, nous avons un ami. Nous avons un max mbote, nous avons un ya machine. Nous avons un mbote, nous avons un mbote, et pas le nouveau pasteur, il y a église, place Marabubu la Sambelaka. Et pas na pasteur Baruti Kasongo oyo na longo le susu chapeau beaucoup de respect na musala sala ki ya nzambe muli monaye et pe mana kimia et biso bandimi ya lo samwana to pona ki bongo pasteur Kalala Baruti oyo azali le successeur ya pasteur na biso à travers un vote oyo biso banso to pona ki. En tout cas je crois que ndenge moral lo baki oyo amona ka nzambe andimela ki nzambe ya pasteur Baruti a komona penza mbwana katinai. Donc biso nyonso tozali bongo sima ya pasteur Baruti Kalala. En tout cas la pesie bongo mbote nzambe a pambolaye. Très bien, merci beaucoup. Alors Marabobola, nous prenons d'abord la première thématique, la proposition ya bandeko na biso ya Nations Unies. Alors on pense ici il y a des appels ya bandeko ba ko benga biso de partout. Alors Nations Unies, les États-Unis d'Amérique obligent aujourd'hui la République démocratique du Congo de passer dans une période de trêve humanitaire. Cela veut dire les cesser les faits. To bundalisu suna ba rwandete, to bundalisu suna ba terroriste au ba côté libiso na katalo pangote, de laisser à la disposition ba rwandais ba M23 Bunagana, Kirumba, Kanyabayonga, Kiwanja, bazwana gestion na yango, to sala cesser les faits. FARDC et Kitisamandoki Oazalendo akiti samandoki et comme ça il y aura une délégation à Conseil de sécurité à Nations Unies et ils vont mettre ensemble la République démocratique du Congo et le Rwanda autour d'une même table au niveau de Luanda en Angola pour poursuivre les pourparlers et Salamaka déjà devant Joao Lourenço. Alors quand nous parlons de trêve humanitaire au Bako Senga biso to sala, est-ce que ce n'est pas une forme de trahir, d'affaiblir de noircir la République démocratique du Congo parce que bah moni notre armée comme quoi avancer bah Oazalendo baza inarrêtable ou encore c'est quoi. Merci encore pour na couper sans maloba. Je tenais aussi à m'excuser par rapport à ya voix mon gongo pesa ko kauka pour na musalo to ko sala ya ko défendre régime na biso ba Tshisekedi régime ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors trêve humanitaire et loko oyo bandeko ba ko simba ezalié que ezali mikano oyo ba organisation mondiale oyo surtout ba to bazali na mwa ba décision na monde oyo bazwaka yango tango oyo soit bitumba ezali entre deux pays, entre deux états ou entre deux continents. Donc bazwaka décision yako zwa yako loba makambo etali trêve, ça veut dire le ko ezali trêve humanitaire, on cesse d'abord les faits pendant un moment donné. Et lorsqu'on cesse les faits, on cherche comment donner des couloirs entre les populations qui sont bloquées dans des territoires, dans des chefferies, dans des localités, dans des villages, pour permettre à cette population qui est innocente, qui est en train de subir les conséquences des conflits armés, des conflits politiques entre des États, entre des régimes, de pouvoir au fait arriver soit au niveau des chats, soit au niveau des rivières, ceux qui avaient fait les opérations par exemple, ceux qui avaient des activités de pêche, de l'élevage, des activités de champs, qu'ils puissent arriver là-bas et aller trouver quelque chose pour ramener cela au niveau des cas de déplacement. Et c'est de cette manière
qu'on demande les cessez-le-feu. Là, on n'exige même pas à quiconque de commencer le combat. Ça veut dire que comme on a demandé une observation de trêve humanitaire pendant un délai qui est réfléchi pendant au moins deux semaines, comme ici chez nous à Kinshasa, on en a ici chez nous en République démocratique du Congo, entre le Rwanda, les éléments du M23 qui sont appuyés par le Rwanda et les FARDC qui sont aussi appuyés aussi par les Wazalendo, ce qui est constitutionnel. Donc, ils vont observer cela. Alors, c'est pendant deux semaines au Komona que même à Kayabayonga, d'ailleurs, vous êtes en train de les suivre, où les Wazalendo ont encerclé, les Wazalendo ont mis dans une position de difficulté les éléments du M23 qui n'arrivaient plus à sortir dans la localité de Kayabayonga. Alors, cela voudrait dire quoi? Lorsque le M23 s'est senti coincé, le M23 n'avait plus les moyens de sortir, comme les M23 ont été encerclés, ont été couverts par les Wazalendo et appuyés aussi par certaines forces, notamment de la SADC, ça veut dire que le M23 n'avait plus d'endroit pour aller. Et c'est de cette manière que les États-Unis a décidé à ce que qu'on puisse observer un mouvement ou alors une période de trêve de deux semaines. Ça va aussi permettre aux déplacés de guerre qui sont par exemple au niveau de camp de Mugunga qu'ils puissent aussi se rendre na bilanga na bango ba kende kotala na lona ki moi ma sangu na ngai na lona yusoki nini na kende kotala. Et pendant cette période, même un Wazalendo peut passer un élément du M23, il n'aura pas un problème. Un élément du M23 peut passer à côté d'un Wazalendo, il n'y a pas de problème. Alors, Marabobo, la là, population, les marchandises, elles peuvent quitter l'Ouganda, traverser, quitter Kinshasa, aller au niveau du Rwanda, il n'y a pas de problème. Donc, ça se passe de cette manière. Marabobo, là, merci beaucoup pour les explications. Mm. Mais le problème est aboyé. Mm. Est-ce que le lot, la tension, le niveau à Makambonenge Komeli, il faut que la République démocratique du Congo puisse accepter cette proposition, ces documents, cette lettre. Il y a États-Unis au Basali dans une forme d'obligation que quand il s'habille sur la cesser les faits, la trêve de deux semaines. Est-ce que ça a l'avantage pour le Congo, pour la FARDC, pour la Wazalendo ou bien ça a l'avantage pour les Rwandais? Nous voyons ma Cambodgien se évoluer, ma Cambodgien se déclare Israël. Batikale ko senga Israël c'est les fêtes pour na Palestine. Tozomona makambo ezoleka na Syrie. Tozomona makambo ezoleka na Iran. Tozomona pe makambo ezoleka na Ukraine na Russie. Toyoki masola c'est les fêtes. Ici le problème c'est quoi? C'est au niveau ya République démocratique du Congo ne ba territoire ba localité za occupé. Si c'était une guerre, et Zalaki Tozana Mopanzi à Congo, Bangopi Bazana Mopanzi à Rwanda, ça allait être un peu acceptable que tout n'a cessé les faits. Mais ici, nous sommes visités à la maison. Et nos deux chambres sont occupées. Et comment expliquer maintenant, on a cessé les faits. Pesabisonzila est trêve humanitaire. Mais j'ai vite compris, Natangé Lungia Marabobo, la Monique Ndeko Marabobo, la Aza d'accord avec les Américains. Et ça l'inga des mois passés. O longoli posono ya ki combattant ya ki congolité o zala kanango. Non, na zali toujours na posono ngai ya ki combattant, na za toujours na posono ngai o ezali ya côté le mela, ba ibanson ba zali côté le mela na ndenge ya mape tout comme ya malam koluka ko kweisa régime o ezali ya Tshisekedi biso ba combattant toza toujours na kati ya casquette wana. Mais kokokana na ndenge mibeko ezali ko senga. Situation humanitaire ezako senga eke deux parties ba observer cesser les faits. Ce n'est pas la première fois. J'aimerais à ce que bande ko bakolanda biso ba comprendre yango et ba zo yango na sens ya mabete. Ce qui ezako situation humanitaire oyo ezana niveau ya par exemple ya Kaya Mugunga. Oyo ezali ke non ekozala bo ekozala malamu pezate. Mais kokota sikoyo nakati ya bosiki siki, ça veut dire que les États-Unis d'Amérique azali quelque part kokende ko appuyer au baza kobenga les éléments du M23 na sens nini biso toza ko équiper territoire mokote ya Rwanda
aucune localité, aucune cité, aucun village, il y a Rwanda, ils allaient occuper soit par les Wazalendo, soit par les éléments du FRDC, et encore grave, soit même par les FDLR. Mais comment les Oyo, les M23, ba avancé, n'est-ce pas avancé, je dis encore. Bazako kende, n'est-ce pas Bazako kende, FRDC, Azali Kosala, on va bien offensif vraiment comme tel, nous tous a beaucoup plus na défensif. Mais ce qui fait que tous aura beaucoup plus na défensif, c'est parce que tous aux charge. Le Rwanda est soutenu par l'Union européenne, par certains pays membres de la communauté internationale, notamment par certaines multinationales au bazar qu'a appuyé nani, bazar qu'a appuyé le Rwanda. Alors, le coup la bango bazana avancement sur les sols congolais, balobité à lire tous a kokende. Ba kei kokota na service à renseignement, ba monye ke Félix Tshisekedi na service à sécurité, na service à renseignement militaire, ba joli nga ba changer tactique. Tactique to joli nga ko changer ezali yakobanda ko beta le M23 pendant que bazana territoire na biso. Ça veut dire que le M23 bazana kaya bayonga biso to encercler bango, to devancer bango, to frapper bango. Ezalo ko la ozo bundana moyibi. Moïse azana kati ya ndako. Azo kanta se comme ici nenga kota ki atika y porte polele, porte za polele. Oh, bakanyeli est déjà porte. Bakanyeli est déjà portail. Tant wako linga ko kima moya kima ezate. Akuti déjà ba voisin, ba bimi, bobomi ewana ali boluki place pour ke ko bwa kai. Et c'était ça la stratégie oyo tozwa ki na FRDC, oyo tozwa ki na ba wazalendo pona koluka. Encerclement et puis y a quoi attaquer. Encerclement, on attaque. Encerclement, on attaque. Mais malheureusement, le quoi qu'a tout le barakake, la République démocratique du Congo a sa victime, a sa orpheline. Le Congo est orphelin. Tous en a battu à côté la bisauté. Yango moni baké balobité. Pour na kolunga ko arrêté. Stratégie haute, c'est que dit azui. Na batuna ya service à sécurité. N'y a tout kota ki conseil supérieur à défense. Balobi et singel tout ça nini. T'as observé. Une opération mabengi yango yanini ya trêve humanitaire. Loko na yebisi yo trêve humanitaire na bon sens eza mabete. Parce que soko to kei même na deuxième guerre mondiale, il y a ce qu'on appelle la trêve militaire. Oyo to mona ki Air Force na comment on appelle ça l'armée britannique bazwa ki biloko batiango na kati ya avion ba kei ko bwa kango na ba camp militaire. Parce que tous les qui tous côté qui na période tous les qui anzala la famine. Alors les Hollandais la population hollandaise basa qui sous la moyen kobimate il a fallu biloko ou talikole kwea même la guerre aux akoleka na niveau ya Palestine na Israël tout mon itrave humanitaire oyoyo ba vieux ou ta États-Unis ezo boka ba contenir ya biloko wapi na na kati ya mai et les Israël les Palestiniens basa ko kende pona ko wela. Ça veut dire que de notre côté dans un bon sens ezama mabete. Mais le coup là les États-Unis azalaka toujours koluka ko stopé o ba bengi processus ya développement na biso o ya luka toujours ko côté la Rwanda pona ko pouyer ko appuyer Rwanda a kende comment a ko réussi. C'est de cette manière que nous au niveau de l'île des Pays et nous qui combattons, nous qui sommes les conservateurs du pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et aussi des combats des sphères délimitées les leaders Maxime, nous avons dit que cette procédure ou alors cette décision ne part pas dans notre avantage. Et nous pouvons demander au président de la République, au conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, au conseil supérieur de la défense, de pouvoir encore multiplier la stratégie. Je pense que essayer du tout bouy à décision oyo pambaté et FRDC azala qui dans la stratégie oyo États-Unis a monié que ce qui stratégie au tobeti yango les M23 les AFC de Nanga bakozala à deux bandades. Yango moni bakeyi ko senga na biloko wana. Alors ce qui te le bito kende na démarche ya États-Unis o bazolinga ba kotsa biso na trêve humanitaire na pause de guerre parce que une trêve c'est une pause to pemanan bo bundate biso to beta lisusu te bango pe ba beta lisusu te. Alors trêve wana ya États-Unis e koki kozala na avantage na ngambo na biso République démocratique du Congo na lolenge nini et koki pe kozala na désavantage na ngambo na biso République démocratique du Congo na ndenge nini. Est-ce que trêve wana ne komara bobola et ko sunga biso to récupérer bunagana na biso
et quand sunga biso to récupérer kanyabayonga na biso qu'est-ce qu'on appelle encore Kirumba na biso ou encore Goma. Moi je crois que trêve au loco la bazui yango na lobaki na côté là ya maloba na ngatango na lobaki, il fallait d'abord observer comment évoluait le combat sur le terrain. Nous avons nos généraux, certains généraux, nous avons nos militaires, nous avons les éléments, notamment du FARDC, nous avons aussi nos compatriotes de Ouazalendo qui sont en train de se battre sur le terrain. Alors, à ce niveau-là, il fallait voir qu'est-ce qui a causé, qu'est-ce qui a poussé aux États-Unis d'Amérique de prendre cette décision que les deux parties qui s'affrontent dans la partie est de la République démocratique du Congo d'observer cette période qu'on appelle la trêve humanitaire. Ezabo senga ya Kagame te akekolele la bampaka na ye États-Unis bomeka kosunga ngai parce que bana nanga bakangami na kati ya chambre moko ya Bunagana bakangami na kati ya Kanyabayonga parce que aujourd'hui au niveau de Kanyabayonga il y a plus une porte d'entrée, il y a aussi pas une porte de sortie. Le militaire rwandais AFC RDF M23 au bazana kati ya mabele ya Kanyabayonga baza sou na possibilité ya kobima libanda te pona okende koluka biloko kolia maya komela bibwele na bangono so batikali libanda basu na possibilité te okende kozwa minduki o etikali na basite muso bazala kido bakangami na kati ya Kanyabayonga mususu na ngambo bakangami na kati ya Kirumba bakomi na position ya faiblesse yango diplomatie utilisée par Kagame. Et tindi ya akende ko singa na États-Unis ba ya ko obligé na Tshisekedi o ba moni mwana na bango ha c'est le fait. Je crois que Tshisekedi le président de la République avec les hommages le plus différent a koki ko za la mwana ba américain te a koki pe ko recevoir ba injonction te. Détamine na bango. Les conseils nous acceptons. Les rapprochements nous acceptons. Les injonctions et les décisions o ezali ya États-Unis biso toza ko boya yango. Pambate l'armée rwandaise oyo azali ko appuyer parce que les M23 ndenge na banda ki toujours ko bayango ke ezali kaka o babengaka elilingi ya pamba mais la kati elilingi ya pamba wana toza ko mona se Kagame en personne nde azako bunda. Ça veut dire que l'armée congolaise et les Ouazalendo toza ko bunda na régime ya Kagame. Ça veut dire que c'est une guerre entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Voilà. Alors le ko la bango va observer que non position de Zako Kendelango, on risque de perdre cette guerre. Vous comprenez, je suis en colère. Alors, ceux qui te perdent guerre, ça veut dire que Misolo, ma énergie, Mayele, Tanyo, Sotou, Bisoto, Tiango, pour la Makamouya, guerre à Est, tu peux perdre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le col à les M23, basé encerclé par les Ouazalendo, basé encerclé par le général Chico, na niveau à front. Parce que Kobo Sanate, le général Chico a senga ki ba bengaka renfort aérien. Ça veut dire que tolinga yito tombola o ba bengaka ba missile na biso, tolinga tombola ba nini ba avion de chasse na biso. Alors le kola Kagame a comprendre yango, akeyi le kola kendaki na niveau ya poto a sololi na Macron a meki ko tinda ba expert na ye a meki ko sala lobby le kola zaka toujours mutu mon ba yo ki la kaye mawa a ke ko le la États-Unis lobby nazo linga na perdre bitumba oyo. Et régime n'a pas lié et commis à danger. Il y a Zobunda ta repère de l'Ikoumane. Non, je dis un militaire n'a pas non, non. Yokate, ma militaire n'a pas un territoire congolais. Ba beaucoup fan de Ngenin. A repère de Bitumba Ngenin. Non, mais parce que Bitumba, oh, Zabiso Congo, na groupe de Congolais, Moussouba Mibengi ba M23. Non, arrêtez avec ça. Le peuple congolais sont en train de nous suivre. Il faut à un certain moment donné qu'on abatte ou alors qu'on mette de côté les sentiments. Les militaires qui se battent sur le sol congolais, ce sont des Rwandais. Ce ne sont pas nos frères, ce sont des Rwandais. Wilingoma, c'est un Rwandais. Wilingoma, aussi longtemps qu'il est avec des Rwandais, il devient officier, il travaille officier pour le terrain du Rwanda. Et celui-là, nous devons le regarder avec un œil regardant. Ça veut dire que Batouana, Bazali, Soussou, n'a sensibilité à Ngana, yo, Jésus, en collecte. Mais écoutez, lorsque vous collaborez avec le Rwanda, lorsque vous travaillez dans Bertha Bissimo, vous travaillez pour l'intérêt de qui? Bissimo. Parce qu'en diplomatie, Balobaka, les intérêts n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Mais alors, Awasiko, yo, Rwanda, Azako Bundana Bisso, yo, Corneille Nanga, ok, au Koti, na AFC, au Sali, coalition, na M23, na RDF.
Ça veut dire que vous travaillez pour les Rwandais. Vous ne travaillez plus pas pour les Congolais. Lorsqu'il était président de la Commission électorale nationale indépendante, alors, c'est à ce moment-là qu'il était Congolais. Il était Congolais. Mais pour le moment, M. Nanga, excusez-moi, il a encore le sang congolais, mais ses sentiments ne sont plus les sentiments congolais. Il a le sentiment rwandais. Bah, ordre Oyaza qui exécuté, il a un ordre Yanani. Il a un ordre de Zouté, pas dans M. Kagame. Et c'était dans ce sens, je disais, bah, senti que Baza coincé, il n'y a pas moyen de tobima. Ne va pas dans le football, terrain était un ami. Moyen de mata, exacte. Bah, siéger Bissot. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord qu'au Bassa la gana match, qu'observer, jouer à Kokoya, arrêter, à diminuer tension, tout ça, le changement. Vous comprenez? C'est ça, Nababi Tumbape Zalaka Bongo. Mais souvent, celui qui fait ça, c'est celui qui a une défaite. Et Kagame a monnié que défaite n'a pas commis Pembeni. Les efforts diplomatiques du président de la République, les efforts au chef de l'État Zako Sala, na armée na biso, na conseil supérieur à défense, na service de sécurité, na ya armée, na ba militaire na biso, à comprendre que nazo lingana peur de combat oyo tout en étant où c'est na katia mabele ya Congo. Et to linga ki to vivre pour la première fois que to kangi ba militaire rwandais to ko tia bango na makala awa. Ça moi je te dis la vérité. So ki ka ka loko oya trêve oyoyo. Loko la bango baza ko singa yango. Yango na za ko singa na commandant suprême, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et loko oya trêve oyo, to tele mela yango, to ndima yango te. Ezali eloko ya bondoki, ezali eloko baza ko appuyer les éléments du M23, bazali ko appuyer M, comment on appelle ça, les Rwanda, pona koluka, ndenga nini ba affaibli biso. Pona avantage, avantage na biso ezawap. Avantage, to za avantage ya mon côté. Parce que, renfort, ezako kende. Comment on appelle ça, renfort militaire, ezako ya. Renfort aérien, Ezakoya. Renfort diplomatique, Ezako Salama. Le président Ezako Tia ba moyen. Ça veut dire que sur le plan tactique, Batunabiso Bazan a terrain, il y a certains généraux, Bazako Bunda, je salis le travail que le général Chico Ezako Sala. Ça veut dire que le Rwanda monagi ke Nazali Kolinga ko perdre combat. Maintenant, comment faire? Il faut tout senga, basenga trêve. Est-ce que tu ko senga trêve pourquoi? Maman, j'ai dit te soumouina. Naza kopé sa maman mbote azala ki akeyu komo na ba déplacer les guerres bazo pesa bango biloko na bango bazana ba tante na bango loko la Kagame alingaka kimiate akomi ko senga bato na ye bo bombarder kan wapi o ezali ya ba déplacer les guerres ba senga ka trêve tango o bo monike biloko akoli ezoko tate ba comment ba déplacer les guerres moyen ba zo ba soins médicaux izate moins ba produit pharmaceutique et côté zate moins biloko kolier côté zate c'est comme ça ba senga ka trêve. Mais en ce moment boko senga trêve pendant que le M23 ils sont assiégés, ils sont encerclés et c'est comme ça qu'il faut demander la trêve biso toza ko boya yango que les États-Unis cessent avec les injonctions, que les États-Unis cessent avec les ultimatums baza ko senga wana biso ba conservateur ya valeur ya tisike 10 mai to boyango. J'ai na oti ko tanga lettre moko zali ko circuler tous ces derniers temps. Na tangi balobi boy na kati ya trêve ya 10 semaines wana, la partie congolaise ekozala assister et la partie rwandaise aussi ekozala assister. Comment ça? Écoutez-nous. Pendant la trêve de 10 semaines, il y aura des délégations internationales et humanitaires au bakoya kotikela, bakisiya komela. Na kan de déplacer na côté à Congo. Bakoya kotika, moi loko kolia na kan de déplacer à Congo na mosolo ya gouvernement congolais te. Mais la communauté internationale bakosa la moi paquet ya biloko oya bakisi ya kolia ya komela. Et du côté rwandais aussi, la communauté internationale na kati ya trêve wana humanitaire bakoya pe na kisi ya komela batike la ba M23 na Bunagana na Kiwanja na Kanyabayonga. Bakoya kotika biloko kolia presque partout. Il y a maintenant un Wazalendo qui nous a appelé. Alobi du côté congolais, ba Wazalendo na ba FARDC bazana besoin biloko kolia oyo kouta États-Unis. Bazana besoin ba don humanitaire e kouta libanda ya mboka te na ba ONG internationalité. Et la population congolaise o bazana Mungunga. Population congolaise ezana Goma et dans les différents territoires de la République démocratique du Congo, baza vraiment na besoin ya ba don. Il y a ba fonds monétaire international été na ba don, il y a ba ONG international été au Bakoya ko pesa bango pendant ces moments de trêve. Alors aujourd'hui, au ti ko signaler yango,
la première ministre Judith Sumui na Tuluka na la nouvelle ministre il y a affaires sociales tomolaki batambolaki là où il y avait des dégâts naturels et il y a dans les camps de déplacés batikela ba mbilo wa kolia. Est-ce que lelo République démocratique du Congo eza kozela dans et ou aux États-Unis il y a bilo wa kolia il y a komelana bakisi ba pesa la camp de déplacés. Est-ce que le gouvernement congolais a la compétence à recevoir les locaux en athée? Là, c'est la première des questions. La deuxième des questions, qu'on y m'a causé don à la communauté internationale, c'est aussi favoriser que le même don, eux, qu'on y ait pas la biseau, et qu'il n'y ait pas un M23 parce que les lignes à la, na Kirumba, les lignes à la Bazangi Bilora Kolia, na Kanyabayonga, et ils sont maintenant coincés par les Wazalendo, par l'opération que nous appelons Kanga Rwande Boma Zongi Sena Rwanda. Na kobanda na deuxième motuna na yo biso toza na position ya koluka kobeta Rwanda na mabele na biso toza na position ya koluka Simba Rwandais mema yeti na prison ya Ngenga kuna na Gemena na Sidubangi Kanga Rwandais mema ye na prison ya Kasamba na niveau ya Katanga Kanga Rwanda bien ko éliminer parce que ici nous parlons de la peine de mort mais, selon la proposition ba congolais belé mais ko kama ko mema boye ko mema mais écoutez tant au kangi moto aza na front moyibi so ba kangi musa de zakani pas beta et so ki ozu le coup troupe na ya bien ou da et tant ba même en prison yo ka so kuna bazo ke no salo ba ventir non on ne joue pas avec toi on y va là-bas si tu te justifies pas bien parce que tu es prisonnier de guerre alors on t'abat. Bah, tu donnes un service national que nous sommes là. Non, ah, ah, nani, Rwandais. T'es pas le commis Bakangi, service national. On a tout le monde. Oh, bah, yo zolo baki baki na bango na angenga, baki no kocha bango na boloko. Yo koma teke ba bimisi, baki na service national. Rwandais, nenga lula mabele ya moko. Otinda ina service national. Mais papa, ça c'est un danger qu'on te permettre la ça. Papa, Rwandais dès que vous êtes na est, au même mi na Kayama Kasese. Et là quoi les bosso rwandais à kosala, azuna no bandego na biso ya basiwana. Abandi ko pomper bangobana. Abandi ko pomper bangobana. Au moins ni rwandais na espace ya 5 ans, à ko bota même 10 espace à 5 ans. Azuma belé pété. Au bois qui lisango boy, lisango zo bota ya ngomoko 5 ko tout mon la mabelé. Ezali erreur to ko salate. Otina royana kaya makasi. Mais yondo na makanisi wana bachi ba wana boloko. Mais tamba ko ya koloko ta ba bazana boloko batina na na service national. Non 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 non. Erreur e ko sala ma wana. Il aura une différence. Mon général Kabwik nazo pesa yi ba félicitations avec le travail o yaza ko sala. Vraiment azali parmi ba généraux o bazali ko des chefs de l'État, azali parmi ba généraux o bazali ko travailler vraiment non seulement pour la sécurité mais également pour le développement en Mboka. Ça veut dire quoi? Bazui ba Rwanda awawa. Kagame akeko soma mabele na nanini na Congo ya Brazza. Oyebi makambo ile kanakuna. Lelo oyo ozwa Rwanda, otina ina kaya makasisi. Non, on préfère nos kulu na nous, nos kulu na qui ont été fabriqués par la Kabylie. Oyo ba fabrika bango, ba pesa bango ba minduki ba twa Kabila, ba pesa ba kulu na ba minduki. Pona kukende kotele mela kwa kombata ya IDPS a l'époque nengu tozalaka. Yango omoni kuluko ba kukaka kujere bangote. C'est ce qui a fait que le kuluna phénomène kuluna e panzani. Tango ba moni ke panzani zo kukate, bango ba zaki ba kreate, ifale ba banda yusuko kubuma ba kuluna. General Kaya mamo bien eme, ne ba yu kupesa operasyon nini, li kofi wa banda kuelimine bango. Ba banda yu kukende na chaque porte ya moto na moto, ba tali adresse, ba tali photo, kokoko. Jésus en kola zakarawa bimawa to bazuyo bakuline belinga na yebi na pendant période matika bango. Ça veut dire quoi? Na place que tozo ba rwandais to tinda bango kuna soki to kangi bango na tactique ndenge efardesse na conseil supérieur ndenge ba kota ki a défense c'est mieux tozo ba kuluna na biso to tinda bango na kaya makasese parce que kuluna soki akeyi kuna ndenge général Kabuki za ko sala ayekoli musala kotonga ndako, ayekoli musala ya nini ya kusala champaterie, ayekoli musala ya menuiserie, ayekoli musala ya plomberie, ya misala ebele, lobi akuzala itil pona mboka. Mais za Rwanda te, Rwanda bokoti na yekuna na kaya makasese papa. Mais yeba ke le nombre des habitants et ya population ya kaya makasese eko triplé ko quadruplé. Boko banda komona ba morphologie ko bimakuna na kati ya kasa mon. Oh, mais bato yoyo, ba uti lisusu wapi? Ça veut dire que loko la biso,
tolobie ke makambo eza kulika na este. Comment on appelle ça? Les États-Unis a eu décision ya ko observer la trêve humanitaire. So ke zali na sans malamu biso za kondima ndengo tunaki na motuna na yo ya liboso et FARDC na biso azana besoin ya aide humanitaire ya États-Unis to liaka déjà ba mbala na biso to liaka déjà ba mayebu na biso to liaka déjà ba ponu na biso to melaka to liaka ba mbinzo na biso et ko na nzete Jésus en kolazu mbizo ale epesion zo to makasi epesion mo pikiliki ozokanga Rwanda d'ailleurs même la natie de Rwanda côté les misaïens congolais avec les rwandais sur les habitants rwandais au thé le matin congolais c'est un résistant yango moni États-Unis à comprendre yango na certains pays au bazali complice au bazali kolingate bitumane ici là et j'espère que l'Union européenne aussi a influencé cette décision ya trêve parce que yai certains pays au bazali membres ya Union européenne notamment la Pologne où ils ont été signés accord militaire nanani na Rwanda. Ce que ils ont signé accord militaire na Rwanda. Alors que c'est la République démocratique du Congo qui fait face à l'agression. Il a fallu que la Pologne, a signé accord militaire na République démocratique du Congo pour na koluka ko bengana banguna na mabele ya Congo. Donc makambo ya trêve oyo ezali stratégie ya malamu. C'est une stratégie machiavélique que les États-Unis a pu monter, a pu mettre en place pour pouvoir arrêter l'évolution et la montée en puissance non seulement de l'Oazalendo et des éléments du FARDC afin de pouvoir bouter dehors les éléments du M23. Alors bien, merci Amara Bobola. Balobaka mingi e pana biso na kisasa wa na ngonga ya pasi ndi bayebaka moninga malamu. Merci. Aujourd'hui, tu as une proposition Oyamabe Oyo Télémédia aux États-Unis d'Amérique qui a trêve humanitaire. Tu as dit que tu as un rendement dans le terrain qui est en train de se Kamere est déjà commis président de l'Assemblée nationale. Dans l'Assemblée nationale, tu as joué un rôle dans le Parlement na makambo et tu sécurité en Mboka. À part ya Kamere Lelo, ça symbolise quoi sur le plan sécuritaire na Mboka? La première des questions. La deuxième question, Tomoni Mokonzambo, quand tu sais que Dibapona qui est comme médiateur dans le conflit Mokozalaki na Tchad, na Djamena. Et médiation na esali que Kimia Zonga na Tchad. Tomoni na Djamena, na centre-ville na Bango, ba baptisé in avenue appelé Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Aujourd'hui, il y a des informations qui circulent que Mokonzambo, il paraîtrait à Zoluka Abenga, ba force tchadienne, ba yako travailler. Bakende ko kota na ram moko na ba FARDC na ba wazalendo po ba sunga biso to bunda na Rwanda. Est-ce que aujourd'hui la République démocratique du Congo a besoin de forces étrangères ba ya na ligne ya ba FARDC na ba wazalendo po ba bunde longo? Est-ce que aujourd'hui, si cette information s'avérait vraie que ba groupe tchadien de militaires tchadiennes Bakoya, Nangambo, ya FARDC, pour ba bunde longo, est-ce que ça sera une bonne recette tokolukatocha nanzira na biso pour bouter dehors l'ennemi? Une bonne stratégie, une bonne recette pour bouter dehors l'ennemi, les éléments de M23, ne serait-ce que d'abord armer notre FARDC, donner la meilleure formation aux éléments du FARDC, donner les munitions aux éléments du FARDC, donner le produit pharmaceutique pour le militaire qui se blesse pendant qu'il y a la guerre et également mettre beaucoup de moyens dans le domaine de la défense et de la sécurité de notre territoire. Mais puisque notre pays a aussi des accords vis-à-vis des autres pays, nous ne pouvons que peut-être aller dans le sens de pouvoir soit demander à un pays qui est partenaire dans un domaine militaire, dans un domaine sécuritaire, de pouvoir chercher comment nous pouvons gagner ce qu'on appelle les partenariats militaires avec ce pays afin de pouvoir venir soutenir. Parce que je dis en collé, si vous ne le savez pas, lorsque on signe un accord militaire avec un pays voisin, soit avec un pays, un autre pays, l'objectif premier est d'accompagner l'armée nationale. Le deuxième objectif est d'accompagner la politique de la sécurité de notre pays, de pouvoir combattre les éléments étrangers qui sont sur notre sol. Je serai très honnête envers moi-même, après que nous puissions avoir les UPDF, l'armée ougandaise sur notre sol, oui. Ça veut dire qu'il y a eu ce qu'on appelle l'opération de mutualisation. Entre l'Ouganda, l'armée ougandaise et l'armée congolaise, nous avons connu cette opération.
nous avons quitté l'opération de la mutualisation. Nous sommes arrivés avec l'apport ou de convoquer l'EAC. Ils sont venus sur notre sol. Vous avez les résultats, comme vous le savez. Nous avons connu alors les forces burundaises qui sont avec nous. D'ailleurs, la fois passée, j'ai aimé ce que le président burundais a dit, que nous sommes entrés d'aider la République démocratique du Congo de se battre avec les forces étrangères afin que ce qui leur arrive ne puisse pas arriver aussi vis-à-vis de notre pays, ne puisse pas aussi nous impacter. Troisième des choses, c'est lorsque nous avons convoqué la force de la SADC, où Kagame n'avait pas accepté que cette force vienne dans notre sol. Comment ça? Mais vous n'avez pas pu... Écoutez, aujourd'hui, le monde est dirigé par les États et par les différentes forces et par les différentes puissances. Et à travers lequel vous avez ce qu'on appelle les relations diplomatiques. Le lobbying qui se fait à l'intérieur, Kagame pourrait ou ne pas être d'accord avec la force de la SADC, mais avec les retards que nous avons connus. Parce que le président de la République à l'époque, Azalaki, d'accord que la force de la SADC est à Awawa. Mais malheureusement, on a connu un petit retard. C'est parce que Kagame s'était rendu au niveau du secrétariat général de la SADC afin de plaider que lorsque la SADC viendra ici, ces éléments vont commencer à violer le principe de l'intangibilité des frontières rwandaises et ils vont commencer à violer leurs femmes, les rwandaises. C'est ainsi que la SADC avait prolongé la date qui a été prévue pour que ces éléments bayanani na mabele à Congo. Ce qui est le oyo, toyoki le kolande ngoza koloba et que les Tchadiens vont venir pour nous accompagner. Moi je crois que et kozala nango problème il y a gravité. Aussi longtemps que nous avons un seul objectif, ezali ya kokende ko bouté munguna libanda. Oyebi atande ngezaka na bitumba okoki kozala essoufflé. Ce que vous a essoufflé motoko ma na posa ba pekisa bitumba. Motakoma na posa bakabola po azwa oufre sur la joie. Bino awa bino ba wazale nona bino ba faire des beaucoup mieux souffler. Non. Pe monsieur katani bino. O comprendre. O comprendre. O comprendre contexte ya solo na ngai te. Là o lobie loko ya malonga, o lobie loko ya malamu. Ce que za la moto zo se pela kopé ma se Kagame qui est allé négocier qu'on puisse lever la mesure de la trêve humanitaire, ce n'est pas Félix Tshisekedi. Ce n'est ni l'actuel ministre de la Défense, Papa Modianvita. Ce n'est ni la première ministre, Mama Judith Suminwa. Ça veut dire que c'est Kagame qui s'est senti essoufflé, qui s'est senti déjà perdre non seulement la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais qui a aussi vu que son régime serait en danger et que les éléments du FDLR pourront peut-être préparer une attaque violente, appuyée aussi par d'autres personnes pour que le régime de Kagame puisse tomber. Alors, ce qui est le Oyo, les Tchadiens, baye, je ne sais pas si c'est encore officiel, mais je ne pense pas. Et que vous allez pour appuyer les forces armées de la République démocratique. Et surtout que, pour le moment, Messinanga avec les M23, bah, mon yé que la ville ya Goma, après qu'il y a bah, yon, le Kola, et Fardessi a stoppé Bango, bah, Wazalendo, bah, encerclé Bango, bah, l'ingaki, bah, sala, Bango, bi sala, sala. Bah mon yété et c'est nous tout changer direction tout kende wapi tout kende na province ya Ituri et puis ya nini ya Chopo kuna côté nini ndesika konne na ngaza koluka a récupérer ba carré minier na ye oyoyo gouvernement congolais azwa ki yango pour ba exploiter yango et kota na tongwama ya mboka na biso Constant Dima zakuna le gouverneur militaire lui ne badine pas c'est un congolais des pères et des mères. Constant Dima, le gouverneur de la merci. Province. Merci. Mon gouverneur, n'a pas si on botte. N'a pas si on botte. Louboya Kanchama. Constant Dimate, Bachirimo Mite, Bachikote, Bangote, s'il vous plaît. Merci. Alors, beaucoup. Nous terminons avec la petite photo. Ici, maintenant, les États-Unis ont idée à trêve, na eba, le bitoko, t'en a trêve il y a deux semaines, et bah, qu'on ramène biso directement au niveau de Luanda, na Angola, to vanda siko, mesa moko, tshiseke, di koto, kagame koto, ba. Délégation à Tshisekedi de Koto, délégation à Kagame Koto, Tokatali Kambongo, Kambala, Mokon à niveau, ya Luanda. Babi Sibiso, c'est une deuxième table ronde, Otoko Sala, pour la deuxième indépendance, ya République démocratique du Congo. Soto Rate Kaka,
trêve humanitaire oyo to boyi yango lokwa ba wazane ba ko boya to ko rater makambo ebele ba bito longwa na table ronde ya 1960 to ke na table ronde ya 2024 o na Luanda soki to lingi makele la STC la est-ce que la proposition est trêve ou répondre biso ou répondre biso déjà balobi après trêve photo ke na Luanda Lorenzo na katikati Tshisekedi na gauche Kagame na droite ba sololi toyoka o Kagame koloba to meka ko mettre l'eau dans les vins de mes gars marcher ensemble qui m'ézala. Vous comprenez quoi par là? Je comprends que cette situation dans l'Est de la République démocratique du Congo a un peu perduré. C'est une situation qui inquiète tous les Congolais, qui dérange également les sensibilités de tout le monde. Alors, comme les négociations ont été déjà débitées, je crois qu'il y a eu des parties qui s'étaient déjà rencontrées, la partie rwandaise, représenté par les diplomates ou alors le ministre des Affaires étrangères rwandais et la partie congolaise qui était représentée aussi par Papa Lutundula à l'époque. Oui. Il ne restait que qu'on puisse fixer la date, l'heure, le jour pour que les deux présidents puissent venir à poser les signatures. Je ne pense pas que le président de la République doit s'inscrire dans un cadre qui est purement de donner en l'or de l'avantage au gouvernement rwandais et au régime de M. Paul Kagame. En ce sens, le président de la République ne peut qu'aller dans un sens de pouvoir mettre des pressions sur Rwanda, sur la ligne du front, sur le plan diplomatique et sur le plan, voire même aussi militaire, en fait que tout le cas, Kosilsa, Bitumba, ou Ezana Est, ou Ezali Kouderanger, Ezali Kouderanger, Grand Sen Angawa Azali Derach, Yakongo Airways, Grand Sen Angai, Maman Fatou, vraiment Zakimiate pour la situation à Est, vraiment je crois que Esengeli tous Zakimia dans le Kamboué. Très bien, Mara Bobola qui était notre invité spécial pour ce week-end, le vendredi 5 juillet. 2024, merci beaucoup Nabandeko Touba Landibiso depuis la France. Na pesimbote na JC Mala Momoti qui est en train de nous suivre. JC Mala Mbote na yo. Mbote JC Mala. Tolingio Mingi. Tolingio Mingi JC Mala. Là c'est Mara Bobola. Alors JC Mala, soyez béni. Et na pamboli pe lisusu un Canadien de moins au Congo. Non, un Congolais de moins au Congo, mais de plus au Canada na Ottawa na moni Trésor Jamba, c'est mon frère Trésor Jamba na pesimbote na Canada. Na moni le sous ndeko na ngali sou ya mobali ya kitoko ya pembe maele makasi na Johannesburg na Afrique du Sud comme on est Alain Balemo ndeko Alain Balemo congolais de père et de mère malgré tout attaqué mais vous êtes congolais de père et de mère na pesse pembote boza e bele makasi maman Sophie Kiboba Kinshasa maman Astrid Masengu au niveau de Montréal na Canada maman Jeanne na Toronto na Canada boza e bele makasi na loli bino parce que bolili pembo kana bino bolingi pe Jésus na bino moi na bino Jésus en collé. Alors, à bientôt. Tangwe kokiyo yoyo.